Aujourd'hui, je vais jouer contre des joueurs qui sont classés à peu près 1600 sur Chess.com et je vais expliquer l'ensemble de mes coups. Ici, on joue contre un joueur qui est tchèque, qui est 1600 à peu près. Et sur E4, on va jouer ici E6, la défense française, l'ouverture que je recommande dans mon club d'échecs. D5, je prends le centre. C5, on vient attaquer le pion central, éventuellement l'échanger contre un pion de l'aile. On va ici jouer Dame B6 pour développer la dame. Alors, ça paraît un peu étrange, mais en fait, dans la française d'avance, on a ce fou C8 qui est mauvais, bloqué derrière nos propres pions, et donc en fait je vais le mettre en D7 et grâce au soutien de la dame en B6 je peux jouer fou B5 et j'échange mon mauvais fou contre le bon fou adverse. C'est un plan qui est très fort dans la française d'avance et à retenir, et donc là je suis très content, j'ai échangé mon mauvais fou et en même temps je contrôle la case F1, donc ça empêche mon adversaire de faire petit roc. Bon, maintenant que j'ai échangé mon mauvais fou, je suis très content et je vais appliquer l'autre principe de l'ouverture. Après avoir pris le centre, maintenant je vais chercher à développer mes pièces, puis ensuite mettre mon roi en sécurité. Il joue très bien cavalier B5 qui menace ici la fourchette royale, donc je vais jouer tour C8 pour contrôler la case C8 et éviter de perdre bêtement ma dame. Et ensuite, je vais tranquillement développer mes pièces avec cavalier H6 pour aller sur la case F5. C'est souvent une très bonne case dans la française d'avance parce qu'on va mettre la pression sur le pion D4 qui est souvent un petit peu faible. Et aussi, en mettant mon cavalier en H6, je bloque pas la case E7, donc je me laisse la possibilité de fou E7 pour développer mes pièces. Et ensuite, tranquillement, un petit coup de petit roc pour mettre mon roi en sécurité et appliquer du coup le dernier grand principe de l'ouverture, mettre le roi en sécurité. Alors ici, petit roc qui va arriver et souvent je vais ici échanger en D4, idée lui forcer à reprendre lui aussi d'un pion en D4, et s'il fait ça, j'aurai la case B4 à ma disposition pour pouvoir venir replacer mon cavalier sur une case qui est extrêmement intéressante et sur laquelle l'adversaire pourra pas me chasser parce que son pion est déjà en A4, donc il pourra jamais être en A3 pour attaquer mon cavalier B4. Ok, on va jouer maintenant petit roc pour justement mettre ce fameux roi en sécurité, et aussi ça va me permettre d'activer l'autre tour qui pourra ensuite participer à une éventuelle entrée sur la colonne C. On va ici jouer un petit coup de cavalier F5 pour mettre la pression sur le fou E3 et éventuellement le remporter, et ensuite éventuellement ici rentrer au niveau de la deuxième rangée chez l'adversaire. Ou bien un autre plan qui est envisageable également, c'est peut-être de replacer ici ma dame en B6, l'idée étant ensuite de jouer A6 pour chasser ce cavalier B5 qui est particulièrement bien placé dans mon camp. Alors, je mets aussi, avec dame B6, je mets une pression supplémentaire sur le pion D4. C'est intéressant, pourquoi? Parce que le pion D4, c'est un pion qui est arriéré, pas défendu par d'autres pions, donc c'est très intéressant de mettre davantage de pression sur ce pion. Ce que je vais d'ailleurs continuer à faire en mettant ici une tour en C4. Il ne peut pas manger, bien sûr, hein, parce que la tour est défendue par un autre pion, et j'accentue la pression sur le pion D4. Et ça me permet aussi de doubler mes tours sur la colonne C pour accentuer la pression sur la colonne ouverte et éventuellement plus tard m'infiltrer sur la seconde rangée ou première rangée adverse, hein, ce qui est souvent le but pour les tours. Alors il joue fou D2, ça attaque ici le cavalier B4, intéressant. Je vais juste jouer un petit coup peut-être de quoi d'ailleurs? Un petit coup peut-être de A5 pour venir juste consolider ici le cavalier B4 qui est attaqué par le fou D2. Mon adversaire qui a déjà moins de 15 secondes et il risque ici de tomber à la pendule. Cavalier G5, ok, intéressant. Il menace ici d'attaquer mes pions en H7 et F7, mais ces pions sont défendus, donc j'ai du mal à voir un petit peu l'intérêt pour lui. Ce que je vais faire de mon côté, c'est juste un petit coup de H6, peut-être pour forcer ce cavalier à rentrer à la maison. Alors ici, il bouge le cavalier, super, et ici, on va du coup pouvoir, je pense, manger éventuellement en D4, quoique c'est pas sûr. On va jouer dame C6 hein, pour tripler sur la colonne C et accentuer la pression. On va du coup maintenant s'infiltrer sur la seconde rangée pour attaquer toutes ces pièces qui sont extrêmement faibles. Et maintenant, hop, on croque le cavalier E2 qui était en prise et défendu 0 fois. Malheureusement, on a Sartre qui a un petit peu craqué et qui tombe au temps. Ouais, position difficile ici, il a craqué un petit peu sous la pression et effectivement on voit la barre qui est totalement noire et la position qui est perdue ici pour l'adversaire. Même ici, il aurait peut-être pu s'en sortir, mais on voit que la position est déjà un petit peu difficile sur l'ordinateur, évalué à moins 2.4, la barre qui est déjà très très noire. Allez, on va jouer une nouvelle partie pour montrer un petit peu comment on joue contre des joueurs de ce niveau. Et là, on joue un joueur qui est déjà un peu plus fort, un certain Égyptien qui est 1750. Il joue ici la Caro-Kann. La ligne que je recommande dans mon club d'échecs, c'est la variante d'échange. Et ensuite, fou d3, très important pour contrôler ces cases et éviter que le fou ici en C8 puisse facilement se développer. KC6 s'y menace le pion D4, donc je le défends ici avec C3. Et ici, cavalier F6 s'y menace à nouveau, fou G4 parce que le cavalier défend la case G4. Donc on va jouer H3 pour encore une fois empêcher au fou C8 de sortir. On développe maintenant les pièces et on va appliquer le troisième principe de l'ouverture qui est de mettre le roi en sécurité, ce que je fais ici avec petit roc. Et ensuite, tranquillement, on va terminer le développement, le fou C1 et le cavalier D2. Et potentiellement ensuite mettre la tour sur la colonne E pour mettre une tour sur la colonne semi-ouverte et commencer à activer mes tours. Alors vous voyez, l'avantage d'avoir joué tout cela, c'est que j'ai empêché son fou de sortir, il sort en F5, mais ça va être au prix d'une concession, parce que maintenant il se retrouve avec les pions F qui sont affaiblis, et son petit roc qui est quand même un petit peu détruit, donc le roi en G8 peut se retrouver assez vite faible. On va ici jouer tour E1. C'est les fameux principes de l'ouverture, on met la tour sur la colonne semi-ouverte où elle est plus active que sur une colonne fermée à taper sur le pion F2. Et maintenant ce que je vais faire, c'est, je pense, replacer ici le cavalier en F1 pour l'amener en G3 et commencer éventuellement à me reprocher du roi adverse. Il joue ici cavalier E4, un coup qui est très intéressant. Je vais jouer, je pense, ici un petit coup de cavalier. Peut-être un petit coup de cavalier FD2 pour préparer la poussée F3 et forcer ce cavalier E4 qui est particulièrement bien placé à devoir reculer. Allez, maintenant on se fait ce petit coup de F3, du coup le cavalier qui est obligé de partir et de rentrer chez lui. Et on va ensuite tranquillement ramener nos autres pièces pour attaquer le roi adverse, cavalier G3, cavalier H5, ça peut être un plan. Et sinon, cet autre cavalier, je vais devoir aussi lui trouver une meilleure case. Pour l'instant, on va se contenter d'un petit dame 2 pour éventuellement jouer dame 3. J'améliore ma dame, je lis mes tours. Et aussi, pourquoi je voudrais jouer dame 3 ? Parce que je repère que le pion ici H6, c'est un pion isolé, pas défendu par d'autres pions. Donc je viens l'attaquer parce que c'est une faiblesse. Il défend avec le roi, très bien. Et ici, on va jouer cavalier B3. Éventuellement pour replacer le cavalier sur la case D3. Une case qui est intéressante parce que sur la case D3, mon cavalier il pourra aller en E5 où il sera particulièrement fort. Cavalier CK A5, bien joué, il veut ici venir en C4. Donc on va ici jouer K et D3. Il va probablement placer son cavalier en C4 qui est particulièrement bien placé. Je vais replacer ma dame ici en F2. Bon, lui il joue plutôt à l'aile dame et moi je joue plutôt à l'aile roi. Il va sûrement préparer l'attaque de minorité avec B5, B4. Moi, je vais juste décaler mon roi ici en H1 pour ne pas être dans le viseur de la tour G8. Et éventuellement, après, préparer la poussée G4 pour commencer à attaquer le roi adverse. Allez, on joue ici G4. On va commencer à préparer l'attaque sur le roi adverse. Je menace ici le pion F5. Et s'il prend, je prends du pion F. Et je suis assez content d'ouvrir la colonne F pour ma tour. Et en même temps, prochain coup, je vais éventuellement jouer cavalier G3 ici pour accentuer la pression sur le pion F5 qui est déjà attaqué une fois par le pion G4. Notre Égyptien qui réfléchit pas mal et effectivement G4 c'est un coup assez critique là. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à il prend, mais je suis assez content, je pense que c'est une victoire quand même pour moi. La colonne F qui s'ouvre et du coup ma dame F2 qui a directement maintenant le viseur actionné sur le pion F7 qui est un pion arriéré sur une colonne semi-ouverte, donc je suis assez content de ça. Cavalier E4, bien joué. Waouh, ça devient très très chaud. Je pense que je vais aller ici en F3. Madame qui était attaquée par waouh, F5 qui joue très très bien. Ça joue bien. Hein. On va jouer ici. Ça devient chaud, ça devient chaud. On va peut-être jouer ici prise. Est-ce qu'on prend ou pas ? Allez, on va prendre en F5. Et on va jouer ici cavalier G3 pour sortir le cavalier. Ça devient un peu chaud parce que lui aussi, il peut éventuellement jouer dame H4 et commencer à attaquer mon roi. Ça devient chaud, chaud, chaud. Je vais peut-être jouer tour G1 ici pour mettre ma tour sur la colonne ouverte, mettre ensuite peut-être l'autre tour en F1 pour ramener un petit peu les pièces en défense ou en attaque, je sais plus vraiment. Il a 4 secondes, il va tomber, j'ai l'impression qu'il tombe. Allez, on va mettre la tour sur la colonne semi-ouverte pour mettre la pression sur le pion F. Ici, il mange et finalement, j'ai l'impression qu'il perd ici un pion avec le pion F5 qui saute. Et on va jouer tour F5 échec pour vite reprendre l'initiative cavalier F5. On menace ici le pion, on va jouer ici cavalier prend H6. Oh, c'est une gaffe, il peut manger. Oh. Ouh, on a eu chaud. C'était une gaffe, hein. Cavalier prend H6, bien sûr, parce qu'il peut manger ici le cavalier en H6. Dommage, hein, parce que la position était totalement gagnante. Et je pense que vous allez voir que la barre devient totalement blanche ici, parce que tout simplement, sur fou F4, j'avais cavalier prend F4, et ici, je gagne une pièce. Mais bon, on voit ce qui peut arriver quand on manque de temps et qu'on n'a plus que quelques secondes à la pendule, hein, tout qui devient particulièrement difficile. Eh bien écoutez, j'espère que ces deux parties vous ont plu, on a joué une cadence un peu plus rapide que d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, ciao ciao.